Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une des contradictions logiques et philosophiques les plus importantes de la religion islamique, parce que Allah, dans certains versets du Coran, décrit les humains comme étant des êtres autonomes qui décident seuls de croire en l'islam ou de ne pas croire en l'islam, et pourtant dans d'autres versets du Coran, Allah nie le libre arbitre humain, parce que Allah explique que c'est lui-même qui crée la foi chez un humain, Allah dit aussi qu'il choisit volontairement d'égarer certains humains loin de l'islam, et enfin Allah dit même qu'il empêche des humains de croire en l'islam quoi qu'ils fassent. Donc faudrait savoir qui décide de la foi religieuse d'un humain. Est-ce que c'est le libre arbitre humain ou est-ce que c'est le destin d'Allah? C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, intitulée Le destin d'Allah contredit le libre arbitre humain. Alors, tout d'abord, on va commencer par voir deux premiers versets du Coran, Sourate 18, verset 29, et Sourate 5, verset 115. Deux versets dans lesquels Allah dit Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. Donc, ici, Allah semble dire que la croyance chez un humain, ça dépend de la volonté de chaque être humain. Ce serait donc à chaque humain de décider s'il veut croire ou ne pas croire, avec quand même la petite menace de l'enfer juste après pour rappeler ce qui se passe si tu refuses de croire, mais quand même ici associe la croyance humaine avec la volonté humaine. Ce qui accrédite la thèse qu'Allah reconnaît ici le libre arbitre humain en matière de croyance. Et Allah dit aussi dans le Coran, Quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai. Donc ici, à nouveau, Allah reconnaît que l'être humain est suffisamment autonome pour décider de ne pas croire, car si l'être humain refuse, c'est donc qu'il a sa volonté personnelle qui s'exprime. Alors maintenant, on va tomber sur un premier problème, puisqu'Allah dit ailleurs dans le Coran, Sourate 10, verset 100, mais aussi Sourate 6, verset 111, qu'un être humain ne croit que si Allah lui permet de croire et que si Allah veut qu'il croie. Donc déjà, c'est contradictoire. Allah menace de châtier ceux qui refusent de croire et en même temps, Allah affirme que c'est lui qui décide qu'un humain se met à croire. Pourquoi Sourate 18, Allah dit que la croyance des humains est produite par la volonté des humains, alors que Sourate 6, Allah dit que la croyance des humains est produite par la volonté d'Allah. Et pourquoi Sourate 5, Allah décrit des humains qui refusent de croire, alors que Sourate 10, Allah dit que la croyance des humains est décidée par Allah qui le leur permet. Si c'est Allah qui décide si un humain va croire ou non, c'est donc que la décision n'appartient pas aux humains, et que par conséquent, le libre arbitre humain en matière de croyance n'existe pas. D'ailleurs, pour rappel, dans le Coran, Sourate 4, verset 56 ou Sourate 48, verset 13 par exemple, Allah dit qu'il enverra en enfer, il enverra brûler en enfer, les humains qui ne croient pas en les versets du Coran, en Allah et en le prophète Mohammed. Mais pourquoi reprocher à des humains de ne pas croire en l'islam alors que c'est seulement par la permission et la volonté d'Allah qu'un humain se met à croire, d'après les Sourates 10 et 6?